quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Hello, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. On reprend, on continue les rapports journalistes sur les mouvements de liberté. Voilà. J'ai pas eu le temps de regarder ce qui se passe à Hong Kong, mais ça n'empêchera qu'on fera quand même des correspondances hein, entre les mouvements de liberté. Par contre, on voit que ça a bougé, donc le 7 septembre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors le mieux, c'est de demander à des gens qui étaient au cœur de l'action. Hein. Alors, ça fait un moment que ça me tourlupinait, moi. Peut-être l'idée de faire une interview d'un black bloc, les bébés là, voilà, parce que à Toulouse j'avais pas pu, parce que d'abord j'avais pas sorti la caméra puisque j'étais arrivé 30 secondes après le moment où Vincent Lapierre s'était fait casser la figure par les Antifa. Qu'il était appuyé contre la porte d'une église, après mis en camion pompier, tout ça. Alors après, je me suis dit, je sais pas, on va laisser la vidéo dans le sac. Hein. Et puis, j'ai rencontré donc des Antifa, tout seul, hein, qui espionnaient dans les rues, comme ça, autour de la manif, et puis qui me regardaient, moi et mon garde du corps, avec des yeux d'une noirceur pire que le côté obscur de la force des défis que vous aimez bien là, mais noir comme un puissant fond. Alors, visiblement, c'était pas le genre de type, c'est des jeunes, hein, tout en noir, tout ça là. C'était pas le genre à pouvoir interviewer, n'est-ce pas? Visiblement, non. Hein. Ils photographiaient avec les yeux les gens et. Après, ils allaient ramener ça à leur quartier général, quoi ou qu'est-ce, qui se trouvait dans Toulouse, parce qu'il y a un CRS qui m'a dit, oh mais on les connaît très bien, ils sont parfaitement identifiés, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites à ça? Ah ben on n'a pas d'ordre pour s'occuper d'eux, pour aller les prendre, tout, on n'a aucun ordre. Bon, très bien. Alors, bon, j'ai étudié un peu la chose, hein, j'ai vu que Antifa Black Bloc, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Alors, on va laisser les Antifa de côté pour l'instant. Et puis, j'ai déjà parlé hein, des groupuscules politiques d'extrême gauche, là. Ah, qui est capitaliste, tout ça. J'ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas recommencer. Visiblement, le Antifa Black Bloc, j'ai regardé aussi. Bien qu'on n'apprend rien du tout sur leur page et leur site, parce qu'ils sont incapables d'expliquer vraiment et de donner vraiment une plateforme, parce que des revendications, ils n'en ont pas, en fait, puisqu'ils veulent laminer tout et raser la planète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Voilà. Alors, bon, donc on ne peut pas apprendre sur eux comme ça. Un moyen, c'est d'en interviewer. Il faut en trouver un par là. On va essayer d'en trouver un. Regardons au travers si on peut trouver un. Je sais jamais. Comme on est ici au bois de Boulogne, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y en a un par là. Ah, mais justement. Il y en a un par là. Hey. Hop. Hop, hop. Hey, bébé. Je sais pas si on les appelle comme ça, hein. Hey, toi, Black Bloc, bas. Bas. Qu'est-ce que tu fourgances, là? Je crois qu'il est en train de démonter une grille autour d'un arbre. Et c'est pour quoi faire ta grille, couillon? Comment? Ah, c'est pour faire des barricades, éventuellement
S'il arrive à la soulever, c'est quand même pas des rugbyman, les types, hein. On les voit bien quand même sur les vidéos. C'est vrai? Bon, éventuellement, il prend la plaque et puis il aplatit comme une galette à un flic. Bon, peut-être. Bon, écoute, tu vas venir par là, tu vas t'asseoir ici, et puis on va t'interviewer, on va te demander ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Ok? Comment? Comment? Pas de soucis, qui dit, pas de soucis. On va le faire asseoir là. Salut le Black Bloc! Tu vois quelque chose, ton bordel là, con? Ouais, on voit assez. Mais tu vois quand même? Ouais, parce que nous, tout ce qu'on veut voir, c'est du flic, parce qu'on vient casser du flic. Et puis c'est tout, voilà. Eh bien, t'es vachement équipé, couillon. Et ouais, bah ouais, on est équipé, nous. On est Black Bloc, comme un. Popeye, Popeye, ouais, on y va là. Mais qu'est-ce que t'as sur le nez, cornichon? Eh bien, mais c'est pour me protéger le nez. Parce que si les îles jaunes, ils sont assez couillons pour se faire prendre un truc dans le nez, puis se retrouver avec le nez comme une patate, ils sont bêtes. Nous, ça risque pas. On s'équipe au complet quand on vient dans les manifestations. Voilà. Ça te protège, ça là? Eh bien alors, t'entends pas? Là, tu prends les LBD là, rien du tout. Mais tu es sûr que tu as le bon accoutrement que tu as, c'est la bonne instrumentation que tu as là? Quoi, qu'est-ce qui va pas? Eh bien, hé! Couillon de la lune, t'as pas vu ce que t'as sur le nez? Quoi, c'est couillon la lune? Ouais, c'est couillon la lune, parce que c'est un instrument des archons, mais l'esbéton, ça te passe au-dessus de la tête. Non, mais ce que t'as sur le nez, tu sais ce que c'est? Eh bien, moi, c'est l'équipement, on se rassemble, le Black Bloc, puis on s'équipe, on organise tout avant de venir à la manifestation. Voilà! Oui, mais tu t'es planté, là, con, hein? Tu sais ce que c'est que t'es là? C'est pas pour mettre sur le nez, hein? Ah bon? Non. C'est pour mettre sur les bijoux de famille, ça. C'est quoi, ça? C'est pour mettre sur le zizi, idiot! Ah bon? Ah ben non, parce que nous, les bagbocs, on est couillus, nous. Alors, non, 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 il faut protéger, t'as raison. Allez, va te rhabiller, va, et reviens correctement. Et mets tes ustensiles de façon correcte, comme un vrai bon Black Bloc. Allez, recommence. Reviens. Allez, refais ton truc. Ouais, bon, ah, fais chier. J'ai une emmerdeur, oh, putain. Ouais, ça y est. Montre-nous un peu ton bazar, là. Bon, attends. Voilà. Tant mieux comme ça. Ah ben voilà, c'est là où ça devait être au départ. Ah bon. Ah ben oui, ça a l'air bien. Hein. Je vais me prendre le NLBD là. Moi, j'aurais rien. Hein. Regarde. Dis, sans rien du tout. Ouais. Oh. Oh voilà. Ouais, à tous les Black Blocs là. Il faut avoir ça. Hein. Et ils t'ont pas attendu, les cons. Alors, raconte un peu ce que t'as fait là. Eh bien, le 7 septembre, on y était, nous, Black Bloc. Ouais, c'est nous. Ah bon, c'est vous. Et vous avez été invité, moi j'ai jaune, parce que avant, vous veniez sans être invité, hein, d'après ce qu'on voyait dans les manifestations. Oui, mais non, c'est pas pareil, là, parce que. Si on était conjoints,
Ah bon? C'est un mariage civil, votre truc? Non, 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 mais on est venu aider les gilets jaunes, nous. Comment ça? Vous venez aider les gilets jaunes? Ouais, ouais, parce qu'ils ne savent pas se battre, eux. Ah bon? Et toi, tu sais? Oh, ouais, ouais. Ah, nous, on sait se battre, nous. On a tout l'équipement, tout. Regarde un peu, là. Là, tu te fous ça dans le casque du flic, hein. Pouf! Tu me pètes la vitrine, au con. Ah ouais? Et comment ça se fait que vous êtes équipés comme ça, vous? Et parce que... on sait ce qu'il faut faire, nous, dans les manifestations. Ah bon? Mais ils vous laissent passer, les forces de l'ordre? Mais bon, ouais. Et ils ont peur de nous. Hey, parce que nous, on casse du flic, nous. C'est pas comme le gilet jaune. Hey. Nous, ils ont peur de nous. Ah, c'est pour ça. On y arrive, nous, en bloc. Bloc. Bloc, bloc. Et boum, on te rentre dedans. Voilà. Des barricades, tout bordel. Ah bon? Et vous avez fait ça le 7 septembre? Ah ben ouais, on fait comme d'habitude. On a entraîné, nous. Et alors? Et vous avez réussi quelque chose? Alors, hé, hey, t'as pas vu? On les a eus, à Montpellier. On a brûlé complètement une voiture de flic, dis donc. Voiture déconnée, brûlée, capote complet. Voilà. Ah ben dis donc, c'est quelque chose, ça. Ah ben ouais, ça fait 1-0. Black Bloc 1, les Condés 0. Oh la vache. Mais alors, c'est comme des jeux vidéo, votre truc. Eh ben ouais, c'est ça. C'est comme des jeux vidéo, c'est pareil. Tu t'es là, tu vas casser l'autre, là. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est comme ça que vous avez été formés, vous autres, ta génération. Elle s'est formée avec les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Nous, on a tout appris avec les jeux vidéo. C'est tout faire maintenant, c'est tout faire ça. Vous allez voir. Et maintenant, dans toutes les manifs, on sera la première ligne, allez, boum, on te défonce tout, nous. Parce qu'on est là, ici, on est là pour casser tout, nous. On casse tout, nous. Et pourquoi on casse tout? Parce qu'on est des anarchistes, nous. Ah, ah, et c'est quoi anarchiste? C'est tout bousillé complètement, qu'il ne reste plus rien. Plus rien, j'ai déjà entendu ça quelque part, hein, ce truc, plus rien. Plus rien, hein. Et ben ouais, comme ça, ils sont obligés de tout recommencer, tu comprends? Oui, mais ça va être dans les huttes, là, avec la chasse et la pêche. Ah, ben oui, ben c'est bien. Tout sera foutu. Voilà, comme ça. Nous, on est là pour tout foutre en l'air. Voilà, c'est tout. Ben, bonne chance, mon ami. Qu'est-ce que je te dise? T'es un digne descendant de la bande à Bono. La quoi? La bande à Jules Bono. Qui c'est, celui-là? Il est de chez nous? Il est dans quelle ville? Bon, écoute-moi. Vous apprenez quoi, là, dans vos études? T'es pas à l'université? Oh ouais, non, mais nous, on va à l'université. Bah ouais. Non, mais c'est papa, maman, ils payent l'université, ils payent la bagnole, ils payent tout. Mais on n'y va pas. Et pourquoi tu n'y vas pas? Il n'y a pas besoin. Parce qu'on casse tout. L'anarchie, c'est tout liquidé. Oh, c'est pas la peine d'étudier quoi que ce soit, voyons. Parce qu'on bousille tout. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Eh bien, bonne chance, camarade Black Bloc. Bonne chance. Et tu vas continuer à être invité par les gilets jaunes? Bah ouais, c'est des nuls, ils ne savent même pas se battre. On est obligé de venir. Nous, on s'en fout, c'est pas ça, nous. On vient dans les manifs pour casser du flic, puis c'est tout. Voilà. Bon, ben, bonne chance, camarade. Allez, retourne démonter ta grille, là, du bois de Boulogne. Vas-y. Et ce micro, 1, 2, 3, 4, où est le bolet? Non, c'est de... test. Bon, évidemment, hein, pour les surveillants, élargis là, c'était une parodie, n'est-ce pas, hein? C'était un truc, c'était un sketch comique. Ça va? Ça va, t'es capté là? Non, parce qu'on sait pas des fois, hein. Parce que quand on regarde les manifs depuis 9 mois, on se gratte la tête quand même, hein, quand on vous voit, vous tous là, des forces du désordre là, on se demande, et alors on se rappelle cette fameuse déclaration du général de Gaulle, on n'était pas goulis dans ma famille, pas du tout, mais enfin ça fait rien, et super déclaration, on lui avait dit,
Vous savez, hein, les gens qu'on envoie dans la police, c'est les moins intelligents. Hein. Les autres, on leur fait faire autre chose. Ah bon. Et puis, renseignements généraux, hein, je vous connais. Je vous ai déjà dit, je vous connais. Ma mère travaillait aux renseignements généraux et mon oncle était inspecteur de police qui faisait la navette sans arrêt avec les renseignements généraux et avec les bureaux et avec les opérations. Plus mon grand-oncle qui était superintendant de police de toute une région de France. Alors, on vous connaît, on sait ce que vous fabriquez. Alors, c'était donc une parodie. Mais oui, moi, je ne sais plus quoi faire, là. Écoutez, vous avez vu dans la vidéo que j'ai faite sur le rond-point à 2000 mètres d'altitude, là, j'ai prévenu la famille au sujet des bébés, là, Black Bloc, j'ai prévenu. Et qu'est-ce qu'on voit le 7 septembre ? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Manifestation conjointe, gilets jaunes Black Bloc à Montpellier. Manifestation conjointe, gilets jaunes Black Bloc à Perpignan. Bon, alors, peut-être qu'avec un sketch comique, peut-être que vous allez comprendre, peut-être, sinon en quelle langue il faut vous le dire ? Hein ? En chinois ? Oui, parce qu'à Hong Kong, ils parlent en chinois. Ah, peut-être qu'en chinois, vous comprendrez mieux, peut-être. Hein ? Que ça sert à rien, le Black Bloc, c'est même le contraire, ça fait tout le contraire de l'effet que vous essayez d'avoir. Alors, c'est pas la peine, hein ? Stop ! Oui, bon, alors, peut-être qu'avec un truc comique, ça passera. Le message passera. Peut-être, on espère. Vous allez, les gens, me faire regretter d'avoir dit dans une vidéo, revoyez mes vidéos, hein, tac, 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 il y en a plein. Golden Star Seed Report, c'est ma chaîne de journalistes indépendants. Voilà, sur plein de sujets qui valent l'os, qui valent le coup, allez-y. Prenez le temps d'aller regarder ça. Hein ? Au lieu de regarder Médusé et les Black Blocs, oh la vache, comme ils savent se battre, regardez, ils nous défendent, regardez, ils vont prendre... Informez-vous avant, hein, d'avoir une attitude aussi... Il n'y a pas de mots. Vous allez donc me faire regretter d'avoir défendu dans une vidéo le QI des Gilets jaunes suite à des déclarations imbéciles de politicards, ripoux, tout ce que vous voulez, soi-disant parlant avec de très belles phrases et sortant des grandes écoles et disant que, bon, de toute façon, le QI des Gilets jaunes, il est vraiment très, 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 très bas. Alors, si vous continuez à faire des mariages conjoints ou pas conjoints avec les Black Blocs, vous allez me faire regretter d'avoir défendu le QI des Gilets jaunes, parce que je vais me poser des questions. Oui, voilà, et là, je ne le dis pas en chinois. Allons-y, on reprend donc les analyses ou le rapport de la vidéo précédente. Hein, on va continuer, on va l'appeler aussi, pareil, partie 2, on va faire partie 3, etc. Parce que je crois qu'on est obligé là. Parce qu'il y en a qui sont comme les taureaux en astrologie. Je suis un taureau, moi. Donc je connais bien. Hein. Donc il y en a pas mal dans le mouvement là qui sont comme moi parfois, taureaux, qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. C'est ça le taureau. Voilà. Donc on va reprendre un peu tout ça. Ouf. Alors, on va regarder un peu les différences de comportement, de tactique et tout ça avec le mouvement donc de la famille en France. Et puis les mouvements ailleurs. Hein? Alors je ne vais pas revenir sur les espèces de bébés là. Hein? Je pense qu'avec mon sketch, vous aurez capté ce que je voulais dire. C'est une catastrophe, une catastrophe, une catastrophe. Une catastrophe. Les gens sur leur télé de merde qu'ils ont encore projetés par la fenêtre, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir des Black Blocs qui attaquent les CRS, ils vont voir des Black Blocs qui mettent le feu à une voiture de police. Alors là, la propagande anti-famille, anti-gilets jaunes est tellement facile. À partir de ça, mais c'est du gâteau.
C'est du cousu-main, les enfants, c'est du cousu-main. Alors, dans des vidéos après, parce qu'il faut monter le niveau à partie 1, partie 2, partie 3, etc., je vous expliquerai ce que je pense et ce qu'un certain nombre d'écrivains journalistes indépendants pensent au sujet de comment se déroulent donc les manifestations et ce que fait l'élite, etc. On essaiera d'expliquer plus haut. Peut-être que là aussi, ça vous aidera à comprendre et à changer complètement tout. Tactique, tout. Même les revendications, tout. Comme les Hongkongais. Alors, avec les démonstrations imbéciles, des bébés là, qui font exactement le contraire de la fraternité, de la liberté, et tout ça, pour qu'il se passe quelque chose. Ça fait exactement le contraire. Voilà, bravo. Clap. Alors là, bravo. Ah ben mon vieux, il faudrait faire une émission comme les nuls de l'info, je sais pas quoi là, comme dans le temps, un truc super là, c'était Canal Plus. Il faudrait refaire ça, c'est pas possible. En expliquant les nuls des manifs, voilà, et puis expliquer, purée, ça c'était quand même pas malin. Ah puis ça non plus, Ah puis là, ah là, alors les centres-villes, bien choisir un endroit hein, où toutes les rues pouvaient être bouchées, et puis après c'est le massacre, gazé, les éborgnés, les mutilés, tous les emprisonnés, tout. Oui, alors bon. Oui, bien sûr, on s'énerve aussi parce que, je l'ai dit sur mon Facebook, il y a une vague d'énervement qui tombe sur tout le monde en ce moment. Est-ce que c'est dans tous les pays? On ne sait pas. Il faudrait avoir du feedback d'autres pays. Il y a une vague d'énervement qui tombe. Oh bon, mais d'où ça vient ça? Oh, ben c'est la lune. Oh, ben c'est le soleil. Oh, ben c'est je sais pas quoi, les tremblements de terre. Non, ce n'est rien de tout ça, pas du tout. Vous savez très bien, et vous l'avez vu tout seul en étant sur Facebook par exemple, qu'il y a des énergies, oui, ben j'emploie le mot énergie, il y a plein de gens dans le sport emploient ce mot, des énergies d'énervement que vous prenez en pleine poire. Vous avez bien vu ça sur Facebook, depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, etc. Vous avez bien vu que les gens s'engueulent tout le temps sur Facebook. Dès que vous êtes sur Facebook, vous avez envie d'engueuler quelqu'un et vous vous faites engueuler. Pourquoi? Parce que c'est fait exprès, c'est quelque chose qui est envoyé via l'Internet, via tout le système, via votre ordinateur, qui vous est envoyé dessus. Et en résultat, vous vous énervez, vous prenez la tête avec plein de gens, voilà. C'est fait exprès, pour qu'il n'y ait pas de paix ici, que tout le monde s'énerve, qu'on en arrive à des guerres civiles, à un chaos complet, parce que le plan de l'élite, c'est bel et bien l'ordre par le chaos. Voilà. Hein. Il y a plein de gens qui vous expliquent ça, c'est pas à moi de vous le réexpliquer, bien que dans un certain nombre de mes vidéos, revoyez-les, y compris les vidéos de David Icke, I-C-K-E, qui explique exactement les plans de l'élite, comment ça fonctionne. Reprenons un peu les histoires de tactique. Alors, l'histoire des bébés, c'est du nul de grave de chez nul. Regardez les autres, comment font les autres? Ok, regardons. Oh, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, il y a eu une manifestation d'étudiants à Athènes, en Grèce. Parce que c'est le même système qu'ici, hein, l'élite qui est mondiale. C'est pas seulement un type soi-disant qui est président, c'est partout, c'est organisé partout, c'est un plan qui est mis en place partout. Les petits pantins là, qui sont soi-disant un dirigeant de chaque pays, c'est du beurre, ça compte pour du beurre ça. C'est autre chose qui décide tout derrière. Revoyez la vidéo de Vincent Lapierre qui a été filmée autour de l'hôtel des Bilderberg en Suisse au début du mois de juillet. Hein, il vous l'a... sans pouvoir aller dedans, ni avoir assez de gens interviewés, il vous a expliqué très rapidement ce que c'était. Voilà, c'est tout. Et puis celui que vous voulez foutre par terre, il a été nommé dans cette réunion de Bilderberg en 2014. Hein. Ils ont décidé, voilà, lui, c'est toi le président de la France à telle année, voilà. Hein. Et c'est déjà fait pour la suivante, puisque
un des Bilderberg là, qui en France s'appelle Attali, il a déjà déclaré « Oui, non, mais ça va, c'est bon, le prochain président en France, ce sera une femme. » Voilà, ils ont déjà tout décidé. Alors c'est quoi votre délire là, de Macron démission et tout ça, c'est quoi c'est délire ça, vous comprenez rien du tout. Voilà. Ah ben oui, je m'énerve, mais alors la vague d'énervement d'où elle vient? Mais, eh ben, regardez encore une fois mes vidéos, les vidéos de David Icke et de beaucoup d'autres, qui expliquent la manipulation de contrôle mental, style 1984, le livre et le film, style Le meilleur des mondes, le livre et le film, et beaucoup d'autres, où on manipule les gens avec du contrôle mental. Hein, c'est le ministère de la propagande Goebbels, c'est la même chose. Donc, on utilise toutes les technologies de pointe, on va dire, en fréquence, en micro-fréquence, en ondes radio, etc., qui nous arrivent de partout, et qui manipulent l'esprit des gens et qui les font penser à la place de leur propre pensée. Voilà, c'est tout. On va essayer de raccourcir la vidéo parce que, avec le sketch, ça fait un peu trop long, autrement. Moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour jouer le rôle de l'autre, évidemment, parce que rappelez-vous, hein, Roger Pierre-Jean-Marc Thibault, c'était absolument génial quand il faisait ce genre de sketch, hein, l'un contre l'autre, génial. Là j'étais obligé de faire deux personnages, bon. Ah, Fernand il faisait, ouais. Ah ben, il nous manque celui-là, ah ben dis donc. Alors on va essayer de finir la vidéo rapidement. Donc je disais, vous avez vu, sinon allez les rechercher, la manif des étudiants grecs à Athènes. Parce que l'élite mondiale veut leur faire la même chose qu'en France et que dans tous les pays, c'est-à-dire privatiser l'université, faire en sorte que ce soit que du business, que des gros sous, que ce soit la croix à la bannière pour les étudiants, pour pouvoir aller étudier, et puis étudier quoi, vu quand on sait que tout est faux, que la science est dépassée, que l'histoire est fausse, que étudier les sciences sociales et économiques, mais c'est de l'enfumage complet, bref, c'est pas le sujet. Les étudiants grecs, donc, étaient sortis dans la rue. Et dans la manif, comment on voit? Comment ils sont organisés? Oh, mais ils sont organisés. Ils sont organisés. C'est-à-dire que devant, il y a des lignes d'environ 12 ou 15 ou 10 qui se tiennent comme ça, par le bras. Vous voyez là, comme ça. Hein? Tous, ils sont tous collés les uns aux autres, comme ça. En plus, et il y a plusieurs lignes comme ça. En plus, chacun a un bâton, un joli bâton, comme ça, avec un petit foulard rouge dessus. Bon, ils ont pris la couleur rouge, on s'en fout, c'est pas grave. Oui, mais ils sont des scrubs, on s'en fout, c'est leur façon de se. On parle de la tactique là. Alors, ils sont donc comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un clash, eh bien, ils auront le bâton pour se défendre. En plus, ils sont organisés de telle sorte que, un peu comme à Hong Kong, il y a une espèce de télépathie ou de truc automatique qui se déroule avec eux. Si une partie de la manif veut aller dans la rue à gauche, le fait qu'ils soient comme ça et que les premières troupes devant sont positionnés comme la tortue des légionnaires romains, ou etc., comme les centuries romaines ou les phalanges grecques, eh ben tout le monde va aller dans la rue, un bloc entier va aller dans la rue là, ou à la place là-bas, hein, de la place Omonia à la place autre, ou devant l'université, etc. Voilà comment ça marche. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais isolés, ils ne sont jamais pris en tenaille, ils sont jamais nassés, etc., pour se faire démolir la gueule. Hein. Et évidemment, les policiers, sachant ça, ils ont une force compacte en face d'eux, et bien évidemment, ils regardent deux fois avant de rentrer dedans. Hein. Ils ne peuvent plus choper des gens et les démolir complet là, à coups de matraque, ils ne peuvent pas, vu que c'est un bloc qu'ils ont en face d'eux. Voilà, ça c'était Athènes, c'était la façon dont les Grecs se battent à Athènes. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il y a eu des révoltes à Athènes. C'est pas d'aujourd'hui. Pareil pour Hong Kong. Regardez Hong Kong, encore une fois, c'est exactement la même chose. À Hong Kong, c'est encore plus extraordinaire parce qu'ils communiquent par signes. Ils ont inventé des signes spéciaux pour dire tout le monde là, tout le monde là, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Il y a un arrière-garde qui défend pendant que là, on occupe la police. Tout le reste de la troupe va faire ça et ça. Tout est organisé, mais top niveau comme ça. Voilà.
Il faut donc faire comme les braves petits de Hong Kong, là, qui sont tous des jeunes, beaucoup. Il y a aussi des moins jeunes, bien entendu, comme en France. C'est la même chose. Ils sont organisés tip-top niveau. Hein. Alors, quand on voit comment la saison de baston recommence, c'est quoi la saison de baston? C'est un nouveau jeu vidéo? Ouais, il vient de sortir. Le baston des manifestations gilets jaunes. C'est un jeu vidéo, mais il va devenir très populaire, celui-là, parmi tous les fadas qui jouent aux jeux vidéo. Une anecdote pour finir? Oui, allez, une anecdote pour finir. Oui, parce qu'il vous la faut, celle-là. Surtout quand on a vu l'espèce de black blocky, là, complètement... Parce qu'il a été élevé, formé par les jeux vidéo, il ne connaît rien d'autre, parce que les générations d'aujourd'hui ne savent pas lire, ils ne lisent pas de livres, rien à beurrer, ils ne savent pas écrire, il n'y a qu'à voir comment ils écrivent sur Internet ou dans n'importe quoi, il n'y a qu'à voir comment ceux qui aujourd'hui ont 30-35 ans écrivent dans la publicité, dans les magasins, partout, avec plein de fautes, mais c'est affreux, affreux, affreux. J'essaye de reprendre mes esprits. C'est pas facile hein, de vous expliquer tout ça. C'est pas facile. On se demande hein, si les Portugaises ne sont pas ensemblées quelque part. On se demande. Oui, ben on s'énerve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a d'autres qui s'énervent. Verdi, de temps en temps, il s'énerve. Tiens, Verdi, qui est un journaliste indépendant comme moi, a fait juste une vidéo là, hier, où il commence à dévoiler, parce qu'il y va progressivement comme moi, à dévoiler des choses qui doivent être dites sur l'âme, l'esprit, comment l'esprit, c'est-à-dire le cerveau, crée la matière, influence la matière, etc. Parce qu'il faut comprendre tout ça, parce que c'est ainsi que l'élite fonctionne, parce qu'ils connaissent toutes ces lois. Alors, il faut les apprendre, et une fois qu'on a compris que pensée égale création, et qu'avec la pensée, on peut faire des choses extraordinaires, tout comme les manifestants grecs ou les manifestants à Hong Kong, ça ira beaucoup mieux. On pourrait peut-être faire des choses beaucoup, beaucoup plus efficientes. Parce que pour l'instant, l'efficacité, ben, ça laisse à désirer grandement. Voilà. Sans compter, si vous voulez faire venir des gens, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, c'est tout. Avec tout ce que j'essaye de vous dire, l'anecdote m'est sortie de la tête. Ça fait rien. Comme j'en ai plein des anecdotes, vous l'aurez une autre fois. Ça ressortira, c'est pas grave. Dans un des titres ou des descriptions, je mets toujours là, de plus en plus, convergence des fréquences. Ça va très bien avec la vidéo que Verdi... Allez voir les vidéos de Verdi, s'il vous plaît. Verdi, vous cherchez Verdi, YouTube, pour vous tomber dessus. Qui parle donc de la pensée qui va déclencher des choses. D'accord ? Positif, pas toujours essayer de faire un changement positif sur la planète Terre. Et savoir que la physique quantique dont j'ai déjà parlé, c'est pas grave. Essayez de voir ça, sinon voyez les vidéos de David Icke, qui c'est celui qui explique le mieux, existe en français. Et puis ses livres à emprunter à la bibliothèque. Donc dans le cadre de la convergence des fréquences, qui n'est pas du tout une convergence des luttes, qui est une chose absolument débile et idiote, qui n'est pas une convergence de mariage forcé avec des espèces de bébés habillés en noir, là, arrêtez. Non, la convergence des fréquences, c'est plutôt des gens qui ont la même énergie, la même façon d'être, la même façon d'envoyer des émotions ou de les recevoir. Un peu ce que je vous ai montré avec cette espèce de communication qu'on fait entre un rond-point quand on vient sur le bord, et les voitures qui passent, les gens qui sont avec nous et qui nous envoient donc des bonnes fréquences avec qui on communique, c'est comme de la télépathie. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ça, vous faites de la télépathie avec votre chat, avec votre chien, et maintenant on va le faire bientôt avec les animaux sauvages. Je l'ai remarqué, moi, dans des endroits sauvages, on arrive à capter les animaux sauvages, ils s'arrêtent, ils nous regardent. Il y a des trucs qui se passent, voilà. C'est normal, on est en évolution sur cette planète. Il faut que ça évolue, sinon ça va tout péter. Voilà, c'est tout. Donc, dans le cadre de cette convergence des fréquences, ce qu'on essaye de faire depuis maintenant quelques mois, on avait essayé avec Acte 12 Toulouse d'amener du monde, des gens qui habituellement ne viennent pas dans les manifestations. On était une vingtaine, c'était sur l'initiative de quelqu'un qui a une chaîne, mais moi j'avais lancé un peu, et on était donc venu pour aider les gilets jaunes.
hein, pour apporter quelque chose d'autre, hein, qui ne serait pas simplement une espèce de révolte contre un parti politique ou un type qui a été nommé là par des Bilderberg, pour essayer de passer à un niveau autre, quelque chose de plus élevé. La conscience, écoutez Verdi, vous allez voir, et les autres, il y en a beaucoup qui parlent comme ça, je ne suis pas tout seul. Donc dans le cadre de la conscience des fréquences, on va essayer de recommencer ça. Hein, déjà, il y a des gens qui ont une conscience plus haute, qui se sont formés tout seuls, si vous voulez, hein, qui se sont éveillés tout seuls, qui ont cherché, hein, qui petit à petit sont parvenus à des éveils sur plein de sujets. À la fin, on appelle ça un éveil de la conscience, quand on arrive à voir beaucoup de choses comme ça, d'accord ? Quand on arrive à mettre tout ensemble, on a une vision de l'aigle ou du faucon. Waouh ! Ah, d'accord, ça, j'ai compris, ok. Que les gens qui sont comme ça, là, n'ont pas. Hein ? Et c'est le cas de beaucoup en ce moment, y compris probablement dans ceux qui manifestent. Hein ? On voit souvent comme ça, ou on le voit dans le passé, quand j'ai dit aux gens qui luttent contre les chemtrails, je ferai une vidéo spéciale sur les chemtrails, parce qu'il faut bien la faire un jour, je leur ai dit, mais attention, vous regardez l'arbre qui cache la forêt. Si vous vous contentez de regarder les chemtrails avec les avions qui font des appendages toxiques, vous regardez l'arbre qui cache la forêt, parce que vous ne voyez pas le pourquoi de tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? À un niveau planétaire, c'est ça qu'il faut regarder. C'est comme le climat, c'est la même chose. Alors là, tout comme ça. Donc dans le cadre de la conférence de fréquence, on va essayer, je ne suis pas tout seul, nous sommes des centaines de milliers, peut-être pas en France, mais dans le monde, mais déjà en France, on peut être des dizaines et dizaines de milliers, qui veulent bien venir vous voir, qui veulent bien rejoindre la famille, qui veulent bien aller manifester, mais il faut que ce soit à un niveau beaucoup, beaucoup plus évolué que maintenant. Alors, dans le cadre de cette convergence des fréquences, on va organiser un rassemblement en octobre, mi-octobre, là, du côté d'un lieu mythique, Château de Montségur, en fait. Et on va donc réunir à la fois les gens de la famille, les Gilets jaunes, et ceux qui les soutiennent et qui les aident à un niveau de conscience plus élevé, voire à un niveau spirituel. Quand on utilise le mot spirituel, à ne absolument pas ne confondre avec les religions, aucune religion, absolument ne pas confondre avec aucun ordre ésotérique, quel qu'il soit, c'est tout contrôlé tout ça. Ne pas confondre avec le New Age, alors là, qui est contrôlé depuis sa création par la mère Blavatsky au 19e siècle, pardon. Continué par la Bellet, les francs-maçons Bellet et compagnie, Forster, dans les années 40-50, c'est tout du bidon contrôlé, le New Age. On ne parle pas de ça, quand on parle au niveau spirituel, on parle au niveau, comme Verdi le fait en ce moment, au niveau de l'esprit qui communique avec le cœur et qui arrive à mettre en place beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, on a beaucoup de choses à changer, nous tous, que ce soit la famille, avec ceux qui sont donc dans cette possibilité d'agir avec l'esprit, d'accord ? Et pas seulement avec les émotions. Voilà, c'est mon message pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était pas le bois de Boulogne, bien évidemment, hein. C'était les forêts en haute montagne des Pyrénées, évidemment, dans des endroits avec une haute énergie. Encore une fois, là, tiens, puisque je ne l'ai pas fait, quelqu'un n'a pas compris, c'est moi qui me suis mal exprimé, mais je n'ai pas utilisé le mot correct, quand à 2000 mètres d'altitude pour le rond-point d'altitude, j'ai dit allez donc dans des endroits qui ont une haute énergie, et j'ai employé une mot tellurique, c'est pas ça du tout, bien que les failles communiquant avec le magma de la Terre amènent une énergie qui n'est pas forcément négative, comme quelqu'un m'a dit, c'est pas ça. Oui, bien sûr, quand le réseau Hartmann se croise sur un mauvais endroit, ça fait des énergies négatives, mais c'est pas ça. Il y a des lignes, des méridiens de la Terre, comme les méridiens en acupuncture chinoise. Vous connaissez ce que c'est que l'acupuncture quand même, vous avez certainement tous un jour essayé. La Terre a également des méridiens
et sur des lignes où il y a des énergies qui circulent. On appelle ça des ley lines. Donc ces énergies sont connues de l'élite qui essaye de les bloquer. Les gens qui peuvent travailler avec l'esprit maintenant et avec le cœur peuvent parfaitement se positionner sur ces lignes et avoir un effet extraordinaire. On reparlera de tout ça donc dans un rassemblement qu'on va faire bientôt. Ceux qui sont intéressés par un rassemblement pour rejoindre des gens qui ont cette conscience et qui sont proches des jaunes à fond, mais qui voudraient que le mouvement se déroule d'une manière différente, on va discuter ensemble, et ben vous m'écrivez à mon mail. Vous m'écrivez. Et si vous voulez venir, c'est un rassemblement, c'est tout, hein, qui dure deux jours, samedi, dimanche, campé sous la tente ou dans des caravanes, n'importe quoi. On se rassemble à un certain nombre. Et puis on essaye de faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir avec aucun truc comme les histoires de foot 2012, hein, absolument rien du tout, rien du tout. Ah, rien du tout. Alors, surveillant, vous oubliez ça, circuler, rien à voir. Voilà, j'ai fait mes annonces et je vais terminer la vidéo maintenant pour que ce soit pas trop long. Salut à tous, force et honneur, mais la force, elle marche avec le cœur, ok? Le premier rayon bleu de la force, qu'on va appeler force divine, mais force de vie, quoi, marche avec le cœur, hein, les deux marchent ensemble. Hein. On n'a pas la force toute seule, hein, ça va pas ça. Hein, force et honneur, ça marche avec le cœur, et c'est ce que faisaient les chevaliers, comme celui dont je vous ai parlé dans le château. Voilà, Captain Out, out. Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié pour que les affamés les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté.